il parle pas. Bah non, il est pas vivant. Le souvenir est capital. C'est ce qui donne du sens aux valeurs de notre République. Et la connaissance est primordiale. Sinon, comme le disait Winston Churchill, un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas son passé, se condamne à le revivre. Alors aujourd'hui, dans le cadre des commémorations du 8 mai 45, nous sommes ici à Sérent-Foultourte. Vous allez découvrir plein de choses et ensuite nous partirons direction La Flèche pour une très très belle exposition qui s'intitule « Devoir de mémoire » avec le commandant Legrand. C'est parti. Je suis avec Christian, président de la CVMO. Bonjour Christian, ça va bien ? Oui, bonjour. Alors Christian Royer, président des collectionneurs de véhicules militaires de l'Ouest, club qui a été créé en 1985 par mon papa, voilà. Donc je vais vous emmener voir Joël Fouquet, président de la SMLH, qui a travaillé avec les enfants sur la table du Conseil national de la résistance. Alors Joël, il est là-bas, c'est le beau monsieur avec sa jolie chemise. Bonjour Joël, comment ça va ? Très bien, très bien. Il y a du monde, c'est très très bien pour nous. Donc devant vous, vous avez la table de la résistance du CNR, table authentique qui était en 1943 à Paris et autour de laquelle se sont réunis les 19 premiers membres du Conseil national de la résistance, dont le président était Jean Moulin. Figure légendaire où on a fait une exposition en même temps. Et le travail a été un travail pour les enfants, de travailler autour des membres de ce conseil. Et avec chaque enfant, des groupes d'enfants, nous avons fait des fiches que vous avez derrière vous. Voilà, ces fiches, on a reproduit la table de la résistance, la mission REX, qui est la mission principale, la mission d'unification des réseaux de résistance. Et chaque enfant a retravaillé sur des documents qu'on leur a préparés et ils ont synthétisé avec leurs mots, tout simplement, les personnes que vous voyez devant vous. Et ce sont des enfants de quel âge ? Des enfants de CM2, donc des enfants qui ont 10 et, qui vont rentrer en 6e, donc 11 ans, 10 et 11 ans. Ah, formidable de les sensibiliser à notre histoire, c'est très très important. Hein. Mais c'est tout à fait dans notre vocation au niveau de... tant du CVMO, du souvenir français, que de la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est travailler pour que la mémoire ne disparaisse pas. Nous sommes des passeurs de mémoire et il faut que nos enfants, à leur tour, puissent un jour être là pour transmettre. Voilà. Formidable. Ben, bravo. J'ai envie de vous dire bravo. Ouais, merci beaucoup. Merci surtout aux enfants qui nous ont permis de faire cela. Et à tous nos bénévoles qui ont travaillé avec nous parce que il n'y avait pas que nous deux, mais toute une équipe qui s'est jointe à nous pour. Et l'enseignant aussi, bien entendu, Madame Lucas, qui s'est impliquée, investie complètement avec nous pour travailler là-dessus. Eh bien écoutez, merci beaucoup Joël. Et je crois que vous avez quelqu'un que vous voulez me présenter. Alors il s'agit d'un monsieur de 80 ans qui est venu exprès de la Somme et qui s'appelle donc monsieur Albert McCarton, c'est ça ? Voilà. Donc à présent, je suis avec Albert qui fait des maquettes magnifiques de toute beauté. Donc vous faites tout vous-même, Albert, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est ma conception, ma réalisation, et tout ça vient de la recherche de la vie des hommes à travers le temps. Et alors, ils sont en quelle matière, vos maquettes ? Alors, c'est fait avec des matériaux de récupération. C'est surtout du calendrier. Ça surprend beaucoup de monde, mais c'est un matériau facile à travailler et qui n'est pas cher du tout. Alors, le résultat est là, c'est-à-dire on fabrique des boîtes de façon particulière et puis on les agrémente de peinture, on essaye de rester. C'est vous qui les peignez, parce que c'est très très fin comme travail, oui, il y a vraiment du détail. Ah mais oui, les détails, tout est fait, c'est partir d'une surface lisse, de cette surface lisse, on peut faire dériver, dériver avec une goutte de colle, un petit truc pour les futurs modélistes, et puis après la peinture, c'est de la peinture qui est faite à la main, avec une gouache vinylique, et puis comme on fait un tableau, où les enfants font un tableau à l'école, c'est la même chose. Et là, c'est vous qui faites aussi les petits personnages comme ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Les personnages sont de la même main, c'est-à-dire que ce soit sur du bois, sur du papier ou sur une toile, c'est faire un tableau, comme les anciens. Et alors là, il y a toutes les périodes. Il y a combien de périodes représentées là, Albert ? Là, ici, ce n'est que 1940. La période mai-juin 1940 dans la Somme, le matériel français dans la Somme à cette époque-là. Et tout au fond, c'est la libération de cette contrée par les Britanniques. Voilà.
Donc en fait, du coup, on a quoi ? On a des chars, des véhicules, des motos, des soldats ? Le matériel que les Français avaient, que les Français aujourd'hui ne soupçonnent pas, mais que un matériel qui était très conséquent, qui était très performant, mais qui n'était pas utilisé comme il devait être. C'est tout. Et alors, même sur les petites plaquettes, vous faites tout de A jusqu'à Z. Les toutes petites plaquettes là, vous. Mais c'est vous. Les plaquettes, c'est pour faire comprendre que ces engins ont existé, qui ont été fabriqués par des marques qui existent toujours, et que c'est le côté technique à restituer aux gens. Ce n'est pas de l'invention. Ah oui, je vois, il y a marqué Renault, Panhard. Oui, effectivement. Oui, c'est la restitution de ces engins qui existaient à cette époque. Et même les petits chiffres comme ça, 1940, tout ça, c'est vous qui les faites dans le bois? Mais oui, c'est découpé comme on peut découper une pièce de papier, mais là, c'est découpé avec une petite machine. J'ai des quantités de choses comme ça qui sont issues de mon imagination. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire bravo Albert pour ce magnifique travail qui est très très méticuleux et qui est très très beau à voir. Merci de nous faire partager ça, ce souvenir, voilà, de maintenir ça vivace pour que les jeunes générations apprennent l'histoire de notre pays. Et ben voilà, c'est fait pour ça. Mais merci beaucoup Albert et merci d'être venu de la Somme jusqu'à nous. Et nous on va continuer, on part à la flèche maintenant, c'est parti. Donc à présent je suis avec le commandant Legrand, bonjour commandant. Bonjour madame, bonjour. Tout va bien ? Tout va bien, oui, bien. Tout va bien, pas de problème. Alors, je crois savoir que nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, non. Puisque... Je suis accompagné également du commandant Le Cureur, qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, commandant ? Très bien, merci. Je suis bien entouré. Hein. Là, aujourd'hui, oui. Je voudrais simplement vous dire, nous sommes commandants de la réserve citoyenne de défense et sécurité, de la Sarthe, dont l'autorité militaire est la délégation militaire départementale. Donc vous êtes tous les deux à l'initiative de cette magnifique exposition. Il y a beaucoup de pièces rares et authentiques donc, dans ce lieu. Et notamment, là derrière nous, nous avons donc des drapeaux. Donc je vais parler avec vous, monsieur le commandant. Donc vous avez à droite le drapeau américain qui a été confectionné à Saint-Jean-de-la-Motte. Et quand on regarde bien, ce sont que des bandes de tissu qui ont été cousues donc par une petite main de Saint-Jean-de-la-Motte. Et à gauche du drapeau français, vous avez le drapeau anglais qui, lui, a été peint. Donc aussi par des personnes à l'époque de Saint-Jean-de-la-Motte. Donc une commune vraiment proche de la Flèche qui ont participé et tout fait pour la libération de notre pays. Par ailleurs, nous avons donc, là je vois donc une infirmière. Une infirmière qui fait partie de ce qu'on appelle la défense passive, dont la vitrine de droite, et c'est notre infirmière. Sans elle, c'est aussi la femme qui sauve les hommes. Et la guerre, malheureusement, fait ses dégâts et l'infirmière est là pour nous aider. Oui. Nous allons par ailleurs découvrir ensuite des armes et on tenait quand même à dire que nous n'étions pas là pour parler de choses fâcheuses. Fâcheuses, au contraire, cette exposition est faite justement pour prouver aux gens qu'on peut faire des expositions, mais que derrière, il n'y a pas une envie, au contraire, de militariser les gens, si vous voulez. Donc c'est plutôt pour un devoir de mémoire, pour voir ce qui s'est passé, et pour surtout que ça ne se reproduise pas. Et donc là, nous avons des pièces qui ont été portées. Qui ont été portées, donc lors de la dernière guerre. Vous avez un brassard aussi de la défense passive, vous avez des gourdes, vous avez des outils, un téléphone. Tout ça, ce sont des objets qui ont été donc portés par des personnes, ainsi que ces uniformes-là, qui sont des uniformes américains, qui ont été portés également par des militaires. Hein ? Et anglais. Ouais, anglais. Alors on va continuer du coup la balade dans l'exposition. Notamment, donc là nous avons une vitrine, nous avons donc des armes. Oui, donc toutes ces armes qui sont là ont été prêtées par des collectionneurs, si vous voulez, et qui sont démilitarisées. Hein, donc tout ce qui est là, c'est pas... Donc des armes qui ont servi en bas, donc du fusil, du combat. En haut, une cartouchière, un pistolet très, très connu, le Colt 45. Au milieu, donc les gamelles qui permettaient aux soldats de l'époque de se nourrir, de faire leurs petites cigarettes, puisque à l'époque c'était un peu le privilège. Des systèmes explosifs, toujours démilitarisés, des grenades, des retardateurs qui permettaient aussi de faire du sabotage pour la résistance. Alors ensuite, là-bas, je vois une autre vitrine qui a l'air très, très intéressante. Là, ce sont plutôt on est sur des documents, donc. Des documents qui appartiennent donc toujours à des collectionneurs, mais des documents authentiques.
Hein, tout ce qui est là, vraiment, ce sont des documents qui ont existé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Ausweis qui permettait donc aux personnes qui en avaient la disposition de se déplacer à tout moment, mais sous certains horaires. Et alors, un tout petit peu plus loin, j'aperçois des tirages du Maine Libre de l'époque. Oui, alors ces tirages nous ont été fournis toujours par des collectionneurs. Tout ce que nous avons ici, donc soit en uniforme, soit en objet, nous sont prêtés par des collectionneurs. Donc ce sont toutes des journaux qui ont été tirés à l'époque. Ce ne sont pas des photocopies, ce sont vraiment des choses réelles. Il y a des jours qui sont indiqués dessus, oui, j'imagine. Oui. Alors on est... Donc ici, nous sommes le mercredi 9 août 1944, 24 août 1944. Là, nous avons le 28 septembre. Ici, le 14 septembre, vous voyez une inversion. Donc ici, vous avez au mois d'octobre, le 19 octobre, et ici, le 7 mai. Et puis, voilà, au niveau de l'Allemagne qui a capitulé. Donc là, on était vraiment, c'était ouais. L'annonce de la fin et de la victoire. Voilà, c'est ça. Donc le 8 mai. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, donc cette exposition va durer jusqu'à quand ? Jusqu'au 14 mai, samedi 14 mai à 17h, c'est la fin. Et puis, c'est ouvert donc tous les jours, sauf le 10 mai, de 9h du matin à 12h et de 14h à 17h. Donc on invite vivement les écoles ? Les écoles, les collèges, puisque c'est aussi du programme de troisième. Donc ça permettrait aux professeurs intéressés, bien sûr, de venir avec les classes pour lesquelles cette expo est vraiment intéressante. Voilà, toujours dans un souci de transmission, puisque c'est le mot d'ordre, la connaissance de notre histoire. Voilà. Bien, cher commandant, je vous remercie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.